et bienvenue sur une nouvelle revue de livres de la série Mademoiselle Lee, ou Mademoiselle Lette, si on veut faire le jeu de mots que j'avais préparé. A bit of foreword in English. The last video was a little bit long for a book review for students, so I'm going to split my review into two parts. The first part will be a short scripted spiel, and then the second part I'll go a bit more into details and I'll go off on tangents, possibly based on the memories I have of this book. I read it a while ago, so it might be a little bit. But this way, if you're not feeling too secure, you can just stop watching after the short spiel. Okay, so, short spiel. Un livre que j'ai lu récemment s'appelait Magpie Murders et c'est un roman policier écrit par Arthur Horowitz. Ce roman est comme une poupée russe avec une histoire dans une histoire ou un roman dans un roman. J'ai aussi cru comprendre que c'était une forme d'hommage au genre policier en général et donc que c'est plutôt un roman pour les fans du genre policier et pour les lecteurs qui lisent ce genre de livre-là le plus. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était écrit bizarrement, du côté du style. J'ai aussi certainement raté plein de petites références et de petits clins d'œil, puisque je ne lis pas beaucoup de romans policiers au départ, et je n'ai pas spécialement accroché, en fait, à ce roman-là. Par contre, les revues en ligne pour Magpie Murders sont super, sont très élogieuses et mes collègues au collège l'ont beaucoup aimé aussi. Et mes collègues lisent beaucoup plus de romans policiers que moi. Donc, en bref, c'est un livre qui, pour moi, n'a pas fonctionné, mais qui, je pense, sera super si vous adorez les romans policiers, si vous en lisez beaucoup. So that was, in short, what I thought of this novel, Magpie Murders. I really wanted to like it, so I was a bit annoyed not to like it as much as I expected. So now I'm going to just talk about it more generally for the French speakers out there and those who just want to hear a bit of the spontaneous French. I keep saying to my students it's important to listen to French, like French music, French radio, French in the background, French movies, just to get your ears working. So this is the sort of thing that hopefully you could use, just leave it running in the background, don't bother trying to understand, just leave those things running. Ok, donc j'ai des notes, et on verra ce que ça donne. Hein? Alors qu'est-ce que ça raconte? Ce roman, Magpie Murders, ça raconte l'histoire de Sue, qui est une éditrice, et en fait son auteur principal, c'est un auteur à succès de romans policiers. Et le roman commence avec Sue, elle s'adresse directement au lecteur en fait. Et elle explique au lecteur que voilà, mon auteur à succès, il est pas du tout aimable, mais il écrit des romans super, il a toute une série de romans policiers qui ont un succès monstre, ce sont des best-sellers, et le dernier manuscrit que j'ai lu de sa part, en tant qu'éditrice, a changé ma vie. Et donc, avant de vous expliquer comment ça a changé ma vie, voici le manuscrit. Donc en fait, l'histoire cadre, c'est l'histoire de Sue, l'éditrice, qui doit donc éditer le manuscrit de son auteur. J'ai oublié son nom, comment il s'appelle? Conway. Sue, c'est l'éditrice et Conway, c'est l'auteur. Donc son travail à elle, c'est d'éditer le manuscrit et d'en faire quelque chose de publiable. Et Conway, c'est l'auteur. Donc ça, c'est l'histoire cadre. Et pour l'instant, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans cette histoire cadre. Il y a une petite introduction... un setup. Ils installent au début que Sue, elle a aussi une relation amoureuse et on sait pas trop où cette relation va aller. Donc on a une petite idée, une suggestion de conflit entre sa vie professionnelle et sa vie amoureuse. Et puis bam, le manuscrit commence. Alors moi personnellement, je m'attendais à ce qu'on ait un peu d'aller-retour et de va-et-vient entre le manuscrit de Conway, qui est donc l'histoire dans l'histoire, et l'histoire de Sue, qui est l'histoire cadre. Et en fait, non, pas du tout. Ce qui se passe, c'est qu'on nous introduit à Sue, l'histoire principale, en gros, principale. Et ensuite, une fois qu'on commence à s'y mettre, boum, le manuscrit commence. Et ensuite, le manuscrit continue pendant longtemps, très très longtemps. Le genre du manuscrit, le style du manuscrit est un peu différent du style de Sue, mais ils font tous les deux les mêmes erreurs.
Donc au départ, quand j'ai lu le manuscrit, l'un des éléments qui m'a le plus marqué, et je sais que c'est moi, je suis un peu une fan de grammaire, une fan de langue, j'aime bien quand c'est bien utilisé, machin. Et en fait, dans le manuscrit, Conway n'utilise jamais le plus que parfait correctement. Le plus que parfait, c'est un temps qu'on utilise pour parler du passé dans le passé. Or, le manuscrit de Conway est écrit au présent, tout comme la narration de Sue est écrite au présent, ce qu'on appelle le présent de narration. Et ça ne pose aucun problème pour moi. Présent de narration ou passé, nickel, tout va bien. Mais il y a une concordance des temps à respecter. Et elle n'était pas respectée dans le manuscrit. Et au début, j'ai trouvé ça super parce que je me suis dit, mais c'est trop bien, il a poussé, Horowitz a poussé le détail jusqu'à rendre le manuscrit de Conway un peu défectueux, si on peut dire. Il y avait des problèmes, il y avait des trucs à régler, notamment ce problème de temps. Le plus que parfait était utilisé pour parler du passé dans le présent, alors qu'en fait, le passé dans le présent, ben, c'est le passé composé. Ou si c'était une version française, ce serait le passé composé ou le passé simple. En anglais, ce serait du prétérit. Donc, par exemple, en anglais, si on raconte une histoire, si je vous dis au présent, histoire complètement, je sais pas, inventée, I wake up this morning and it's raining and pouring with rain outside. And I am so glad I went for a run yesterday. That's how it should work. You don't say, I wake up this morning and it's pouring outside and I'm so glad I had gone for a run yesterday. No, you don't use the plus perfect in this context. It doesn't work. Donc, dans le manuscrit de Conway, c'est toujours utilisé comme ça. Ils utilisent le plus perfect, plus que parfait, au lieu d'utiliser un passé simple ou prétérit. Et moi, je m'étais dit, mais c'est super, c'est trop bien de pousser le vice jusque-là et de montrer que c'est un manuscrit. Il l'envoie à son éditrice, et donc voilà, même si c'est un auteur à succès, l'éditrice va devoir y travailler, elle va devoir l'aider un peu à fignoler, à améliorer des petits trucs. Sauf que non, parce qu'à la fin, quand on revient à la narration de Sue, c'est exactement les mêmes erreurs grammaticales qu'elle fait. Et du coup, ça m'a un peu. Ça m'aurait gonflé en tant que telle. Parce que ça m'énerve, enfin, une part de moi se dit, mais c'est peut-être snob en fait, je fais du classisme ou du snobisme, mais d'un autre côté, je me dis, mais en fait, non, enfin, quand on publie un livre dans une langue, enfin, la concordance des temps, elle est là pour quelque chose, on n'utilise pas le mauvais temps, enfin, il y a des règles de grammaire qui sont là pour la clarité en fait, pour la clarité, clarté, pas n'importe quoi, clarité n'est pas un mot français, clarté. Donc, c'est important pour moi d'utiliser le bon temps et le bon vocabulaire juste parce que on veut pas perdre le lecteur quoi. Il faut que ça reste compréhensible. Moi, quand ils sont passés au plus que parfait d'un seul coup au milieu du présent, je me suis dit mais j'ai raté un bout en fait ou alors en fait tout ça c'est du passé donc c'est une histoire au présent mais il y a du passé et après du passé dans le passé. C'est un flashback dans le flashback et en fait non c'était juste c'était mal écrit. Et en tant qu'écrivain, le but c'est quand même de garder le lecteur. Donc ça c'était pas top pour moi. Un autre truc qui, pour moi, n'a pas trop fonctionné, mais je pense que c'est une histoire de genre, tout simplement, c'est que c'était long, c'était long, c'était long. Et les personnages de l'histoire secondaire, donc du manuscrit de Conway, qui s'appelait aussi Magpie Murders, les personnages ont tous été introduits, mais avec plein. Enfin, ils ont tous été présentés avec plein de petits détails. Je pense que ça faisait partie du jeu de nous donner des fausses pistes, parce qu'apparemment, le but du jeu, c'est qu'en tant que lecteur, on cherche à savoir qui a tué qui. Puisque le but c'est un who done it, so who killed whom. Mais bon, moi perso, j'étais moyennement intéressée par ça. En fait, au début, j'étais intéressée, mais après, quand on voit qu'il y a 15 personnages et qu'ils sont tous présentés avec plein de détails qui semblent complètement out of the blue, sortis de nulle part, ben au bout d'un moment, moi ça m'a lassée. Le manuscrit s'arrête pile au moment où le détective du livre de Conway dit je sais ce qui s'est passé, je sais qui a tué Magne Spy. Et moi à ce moment-là, je savais ce qui s'était passé avec l'autre meurtre, qui était en fait pas vraiment un meurtre, c'était un accident, mais en même temps causé par quelqu'un. Donc ça, je l'avais compris, j'étais contente, mais j'aurais voulu confirmation. Par contre, Magne Spy, je savais pas du tout comment il était mort, je voyais pas de. J'ai pas vu de lien. Donc à ce moment-là, j'étais enfin dedans, ça, parce que ça a pris un bon 250-300 pages, je pense, pour arriver là. Et moi, j'en avais un peu marre. Et puis quand enfin le détective dit, oui, c'est bon, je sais, j'étais de nouveau dedans, oui, je veux savoir, vas-y, dis-moi, stop.
Et on revient à l'éditrice. Donc ça, c'était un peu frustrant. Et l'éditrice de nous dire, ben en fait, c'est là que le manuscrit s'arrête et c'est là que mon histoire commence, puisqu'il manque la fin du manuscrit et le lendemain, Conway est retrouvé, il est mort. Et Conway a l'air de s'être suicidé, sauf que c'est pas logique. Pour Sue, elle se dit, attends, il nous aurait pas envoyé un manuscrit incomplet et ensuite se suicider, enfin, il y a quelque chose qui va pas. Donc Sue commence à mener l'enquête. Et je pense que c'est un cliché du genre policier où quelqu'un qui n'est pas du tout détective s'improvise détective. Et là, bon déjà moi j'étais pas très contente parce que je voulais savoir qui avait tué Magnus Pye. Et ensuite, j'étais pas contente parce que les gens, les proches de Conway, répondaient tous à toutes les questions et toutes les sollicitations de Sue comme si c'était complètement normal que l'éditrice d'un homme qui vient de mourir pointe son nez dans toutes ses affaires, enfin fourre son nez dans toutes ses affaires, pose plein de questions, mène l'enquête, vienne fouiller dans son bureau, enfin tout le monde était super coopératif avec elle. Donc que ce soit le... Conway était gay, il avait un compagnon, ils étaient, je crois qu'ils étaient séparés au moment de sa mort, mais ils avaient été ensemble pendant très longtemps. Donc lui il répond à l'éditrice comme si c'était tout à fait normal qu'elle pose des questions dignes de la police, sauf qu'elle est éditrice. La sœur de l'auteur, la sœur de Conway, pareil, elle accueille Sue chez elle, elle répond à ses questions et elle lui écrit une longue lettre. Enfin, tout le monde semble trouver ça complètement normal, un ou deux jours après la mort de Conway, que l'éditrice elle vienne fouiller partout et poser plein de questions indiscrètes. Alors que bon, enfin... Quand on perd quelqu'un et qu'on est dans les formalités, ça me semble un peu... Enfin, ça, personnellement, ça m'a semblé complètement implausible. Et il se passe... Il y a un phénomène quand on lit, une sorte de contrat tacite entre le lecteur et l'auteur qui s'appelle un peu le suspension of disbelief. Et donc, en gros, tu suspends ton incrédulité en tant que lecteur et tu te dis, bon, ok, c'est un livre, il y a des choses qui... ne fonctionnerait pas dans la réalité, mais je vais laisser couler. Sauf que, en tant qu'auteur, on peut pas pousser ça trop loin, parce que s'il y a des trucs qui sont flagrants par leur surréalisme ou irréalisme, le lecteur va finir par sortir de l'histoire. Et là, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je suis sortie de l'histoire, je me suis dit, mais c'est pas possible, personne ne laisserait l'éditrice fouiller comme ça partout. C'est pas logique. Donc ça m'a un peu... Voilà, la perte de réalisme, ça m'a saoulée. En plus, Conway était présenté comme un personnage absolument pas aimable. Donc au bout d'un moment, je m'en foutais un peu de savoir comment il était mort et ce qui s'était passé, parce que clairement, il était juste pas... C'était pas une bonne personne. C'est terrible de dire ça. Évidemment, dans la vraie vie, n'importe quelle mort est une tragédie ou est quelque chose de vraiment douloureux et de regrettable. Mais là, c'est un livre, c'est un personnage fictif, et j'étais en mode, bon, alors déjà, vous m'avez dupé avec l'histoire dans l'histoire, on sait toujours pas ce qui s'est passé avec Magnus Pye, je sais toujours pas si ce que j'avais deviné c'était vrai, maintenant vous présentez un auteur qui, en fait, est vraiment pas sympa du tout avec les gens autour de lui, qui, en gros, le fait qu'il soit mort, ça rend la vie de plusieurs personnes autour de lui beaucoup plus agréable, et vous voulez que ça m'intéresse de savoir ce qui se passe, je m'en fous, là, on est à 400 pages, je veux juste que ce soit fini, et c'est même pas bien écrit. Donc voilà, en fin de compte, il y a une sorte de résolution un peu alambiquée que probablement j'aurais pu voir venir quand ça s'est révélé. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai que c'est logique, pourquoi pas. Mais la résolution était super frustrante dans le sens où, si vous vous souvenez, je vous ai dit au début, ils ont introduit une sorte de conflit entre la vie professionnelle et la vie amoureuse de Sue et qu'elle avait une relation avec un homme, mais il y aurait un clash avec. Avec sa carrière, et en fait elle avait une opportunité de monstre dans sa maison d'édition, mais poursuivre cette opportunité là et améliorer sa carrière voulait dire renoncer à suivre son amoureux en Grèce. C'était incompatible, donc il fallait vraiment qu'elle choisisse entre sa relation amoureuse et son métier. Et en fin de compte, ce choix est complètement annihilé parce que je vais pas... Bon, ça c'est un spoiler, donc si vous voulez lire Magpie Murders, n'écoutez plus. Like, if you wanna read that book, just click away. À la fin, il s'avère que c'est son patron, Asu, qui a volé le manuscrit, et quand elle le démasque, il met le feu à la maison d'édition. Donc tout brûle.
Elle, elle a failli mourir. Son amoureux vient la sauver, évidemment. Il manquait plus que le cheval blanc, le blanc destrier. Donc son amoureux vient la sauver. Elle se retrouve plutôt handicapée. Je ne sais plus comment elle a été blessée, mais il y a des trucs... Enfin, elle se retrouvera avec des blessures... Elle a des brûlures assez profondes pour avoir des séquelles à vie. Et de toute façon, sa maison d'édition, elle a flambé. Et puis la compagnie elle-même va s'écraser, quoi. Tout le monde dans la compagnie aura perdu son boulot, elle aussi. Donc là, l'opportunité de carrière, c'est fini. Et du coup, elle n'a pas d'autre solution que de suivre son amoureux pour aller en Grèce. Et c'est comme ça que ça se finit. Et là, c'est le truc. L'un des trucs qui m'a... J'étais contente de l'avoir lu quand même pour ça. C'est que ça montre l'importance de ne pas présenter un choix comme étant cornélien et difficile et super important pour le personnage si à la fin on leur enlève ce choix et qu'ils n'ont qu'une option, c'est de prendre l'option A par exemple. On ne peut pas commencer un roman en disant au lecteur ce personnage va devoir apprendre. En général, alors ok, je parle dans tous les sens, je vous ai dit que ça partirait dans des tangentes, pas possible. Dans les histoires, généralement, il y a deux sortes de conflits. Il y a un conflit externe, donc dans le vrai monde matériel. Ici, dans Magpie Murder, c'est « Mais où est la fin du manuscrit et qu'est-ce qui s'est passé avec Conway? Qui l'a tué ?» Et il y a un conflit interne qui, lui, va concerner une sorte d'aspect de développement personnel des personnages. Donc par exemple, pour Sue, ici, le conflit externe, c'était « Où est la fin du manuscrit? Qui a tué Conway ?» Le conflit interne, c'était « Est-ce que je dois renoncer à une opportunité de carrière énorme au nom de l'amour? Ou est-ce que, étant donné que j'ai quelques doutes sur ma relation amoureuse, je me lance dans ma carrière, je fais ma vie de manière complètement indépendante, et si ma relation amoureuse tombe à l'eau, elle tombe à l'eau, et puis tant pis. Donc au début, on nous dit, voilà, Sue, elle doit découvrir ça, et elle doit aussi décider pour elle-même, est-ce que je donne une chance à ma vie amoureuse, ou est-ce que je me lance dans une carrière. On ne peut pas, en tant qu'auteur, je pense, démarrer un livre comme ça, et le finir en éliminant une des options du personnage, sans que le personnage n'ait rien fait pour. Ça marche plus. On nous avait promis une espèce de développement personnel, une espèce d'apprentissage, une espèce de, voilà, de pas de quête initiatique, mais on nous avait promis une espèce de maturation, en gros, de Sue, qui allait devoir choisir entre l'amour et la carrière. Et en fin de compte, à la fin, elle a peur de carrière, elle est brûlée au troisième degré, et elle se retrouve à suivre son amoureux, dont elle n'était pas sûre qu'elle était vraiment amoureuse, pour refaire sa vie en Grèce, dans un hôtel, où en fin de compte, elle va passer la plupart de ses journées... apparaissait sur un transat pendant que tout le monde travaille, parce qu'a priori c'est comme ça aussi que ça va se passer, elle va passer la plupart de ses journées à rien faire. Et voilà. Mais c'est complètement insatisfaisant comme fin, enfin c'est terrible, tu... Et puis moi, enfin voilà, c'est le contrat tacite dont je parlais avant, le contrat tacite où le lecteur dit ok, mon incrédulité je la laisse au placard, je te suis, c'est un roman, il y a des trucs qui vont pas être réalistes, c'est pas grave, on s'en fout. Ça, c'est une partie du contrat tacite, mais je pense que l'autre contrat tacite qui est très important entre un auteur et un lecteur, c'est si l'auteur nous promet que quelque chose, que nous promet qu'un conflit va être résolu à la fin de l'histoire, ce conflit ne peut pas être résolu à la fin par hasard ou par des circonstances extérieures. Il faut que ce soit le personnage qu'il résolve, encore plus si le conflit avait à voir avec un état intérieur du personnage, avec une sorte d'état d'esprit ou avec un positionnement personnel dans la vie, ou je sais pas moi, un jugement de valeur, je sais pas. C'est pas possible. Pour moi, là, c'est une promesse implicite que Horowitz a faite en commençant son roman et qu'il n'a pas du tout tenu à la fin. Et métaphoriquement parlant, c'était une claque dans la figure. Donc, j'étais vénère en slang, si on peut dire. So for students, vénère is basically French verlan, so we take the adjective énervé and then we say it backwards, so énervé becomes vénère, and we should have é, but vénère. So énervé, annoyed, vénère is slang for annoyed.
Et donc à la fin de ce livre, moi, eh ben, j'étais vénère parce qu'il a été super long, parce que personnellement, je n'y ai pas trop vu l'intérêt, parce qu'il n'était pas spécifiquement bien écrit au niveau du style, enfin, j'ai pas trouvé que c'était une prose très agréable, et parce qu'en plus, il m'a fait des promesses au début qu'il n'a pas tenues à la fin. Et ça m'a vraiment... Voilà quoi, je me suis acharnée à lire 450 pages, et en fin de compte, c'était décevant. Mais bon, c'était important d'avoir lu ça, et je pense aussi, enfin là je me suis laissée aller, je me suis plainte et tout, mais je voudrais quand même finir sur la note pour dire que je pense vraiment que c'est juste pas un livre pour moi. Je pense que c'est le genre de livre, si vous voulez une revue plus fiable et plus juste, il faudrait vous adresser à des gens qui ont de l'expérience dans les romans policiers. Parce que je pense vraiment que ce livre est censé être un hommage au genre tout entier, un hommage à tous les auteurs de policiers. Et du coup, pour moi, c'est passé à côté de la plaque parce que je lis un peu de tout, mais je ne suis spécialisée dans aucun genre en particulier. Et du coup, les livres hommages, comme ça, les méta-romans, ça a des chances de tomber à plat avec moi. Et celui-là est tombé à plat avec moi. Par contre, je suis plutôt convaincue que si vous aimez les romans policiers, si c'est votre genre, ça vous plaira, il n'y a pas de raison, hein. Mais moi, personnellement, pour les raisons que je viens d'exposer de façon plus ou moins posée et claire, ce roman-là ne m'a pas plu. Et ça m'a d'autant plus déçue que je voulais vraiment l'aimer parce que deux collègues avec qui je m'entends très bien et dont les avis me tiennent à cœur, donc deux collègues l'ont vraiment aimé et me l'ont chaudement recommandé. Et donc je voulais vraiment aimer ce roman aussi, mais pour moi ça n'a pas marché. C'est pas grave, ça arrive, hein. Donc voilà. Dis donc, ça fait deux revues et les deux sont plutôt négatives. Donc la prochaine fois, je vais m'assurer de vous parler de livres que j'ai aimés, parce que j'ai lu récemment des livres que j'ai aimés. Il n'y a pas que des livres qui me font rager. Ça a été très très long. Si on a des gens qui regardent et qui sont français, si vous voulez plus de petites revues comme ça, petites ou longues revues comme ça, faites-le moi savoir. Let's go back to English then. If you stuck to the end, just to have some French in the background without really understanding it, but if you think it would be a valuable thing to have, then let me know, because I think I can definitely work on that sort of structure with a very short, straightforward, English student geared review in the first instance, and then I can just ramble on and on and on in French just for the sake of hearing some French in the background, and also maybe for the sake of some French people that might be watching my videos. I know now that my family are watching some of these, because obviously they're all in France, so it's a way to see each other. So I can carry on doing that sort of structure, we'll see how it works. But if you stuck to the end, thanks for watching. Like if you like this video, comment if you have anything to say. Maybe you've read Magpie Murders and maybe I completely missed the point and you want to tell me all the ways in which I am wrong in not enjoying this book. Maybe you read it too and you kind of understand why I don't get the hype. Subscribe if you haven't already done so, and I shall see you in another video. Bye! Please let me know in the comments below if it's